Et salut tout le monde, ici Mecha en compagnie de toute l'équipe, salut tout le monde. Salut! Et nous retrouvons sur le LP les amis de Fit the Sphere pour l'épisode. On va voir s'il suit. Oh, moi je sais! Vas-y, vas-y. Voilà, 16. Donc, ben c'est parti les amis. Aujourd'hui encore une petite visite. Et ensuite après on partira peut-être au prochain épisode. Alors là, on comprend pas comment pourquoi il rentre pas le creeper qui est juste là, là. Ah On bah voit des d'accord, parce que symboles. On voit des symboles là, bizarre là. les cloutes, c'est des nuages, ne permettent pas de nous voir à travers. Ouais, et il y a aussi les protections par les magiciens. Ils ont fait des blocs qui empêchent, qui font un champ de force pour pas que les creepers, enfin tous les monstres viennent. D'accord, donc au-dessous là, vous voyez, il y a des blocs magiques. Comme on peut le voir hein, dessus, bon, là on le voit plus parce que voilà. Des paving stone of warding. Voilà, ça c'est des blocs, vous voyez, hein, quand je passe dessus, écrit Tomcraft. C'est des blocs magiques qui empêchent les monstres de rentrer. C'est un champ de protection, quoi. Oula, en plus il pleut, donc ça serait bien qu'il fait un peu des éclairs pour que ça recharge un peu notre antenne. Donc là on va où? Bah, on va Là à où l'antenne. tu veux, le pont qui est derrière, il y a L'éolienne. Ouais, ben on va faire le pont et après on ira derrière. Donc hop, on va atterrir ici. Donc là les amis, c'est un pont qu'on a fait avec l'équipe là. Hop, c'est un pont qui relie l'endroit où on va aller voir après de l'autre côté de la montagne. Le truc des abeilles, je crois qu'il y a là-bas. Oui, Les abeilles qui sont en pleine restructuration, mais où ça a déjà bien avancé. Voilà, c'est un pont fait en micro-blocs. On voit pas tout, mais là, vous voyez, c'est des micro-blocs ici, 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 là. Ici, c'est pareil. Tout ça, les petits trucs ici, c'est des micro-blocs aussi. Donc, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas. Tu voles BK, mais vous faites quand même des ponts. Mais c'est pour le design, les amis. Parce que quand des personnes arrivent sur le serveur, qui rejoint la communauté. Oula, des petits frises, désolé. Qui rejoint la communauté, ben ils sont à poil au début. Hein, donc, ils n'ont pas d'armure comme nous qui volent. Donc, il faut bien qu'ils marchent quelque part et qu'ils traversent des endroits. Et donc, on leur met pas le vol. Hein, c'est du RP, les amis. Donc. Voilà, oui, et on garde le côté RP aussi. Il y a des chemins qui nous permettent de se balader. C'est ça. Donc là aussi, on voit un petit pont avec les pentes. Ça aussi, c'est un petit truc qu'on a fait avec l'équipe, hop, pour pouvoir accéder à cette salle. Thunder, il va nous expliquer parce qu'il a plus travaillé que nous dessus. Là c'est une salle vide, là c'est une salle vide. Hop. Donc ça. T'invite d'aller directement tout au fond, traverser le petit rideau. Voilà. Tadam! Donc rappelez-vous, je crois qu'on avait commencé. Je sais pas si on l'avait montré dans l'ancien épisode, celui-là, cette pièce. C'était en construction, donc il me semble qu'on en ait montré une petite partie. Voilà, donc ça c'est la finition de cette pièce. Voilà, donc c'est des forges Tinker's Construct qui nous servent à faire principalement du clear glass, du goth Ouais. et du bronze aussi en lingot et en bloc. Voilà. Ça c'est sur le côté, c'est des petits bassins de production. Voilà. Alors là, pour ceux qui connaissent le mode, vous allez me dire, mais attends, il manque un truc ici. Normalement, il n'y a pas des bacs en dessous avec des petits trucs qu'on place dedans, là. Les genres de petits trucs Ah et. si, mais pour ça, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller voir dans la salle des machines qui est en dessous. D'accord, ok. Ben, on va aller voir à la salle des machines. Alors, vous voyez, il y a encore des trucs qui sont pas finis. Là, la fenêtre est pas finie. Là aussi. Donc voilà. Donc, là, vous nous dites, ouais, ben, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de truc. Comment vous la faites marcher votre machine? Ben, Thunder va vous expliquer. Vous allez voir qu'il y a une sacrée salle des machines qui est en Une dessous. pièce qui est une salle.
Et même moi, je ne comprends strictement rien à ce qu'il a fait, mais ça marche. C'est un système 100% automatisé qui gère les stocks tout seul. Et voilà, les amis, une salle des machines où il y a beaucoup de câbles. Voilà. Donc là, si tu lèves la tête, tu verras que c'est le système ME qui gère totalement donc tout ce qui est fluide. D'accord. Avec des ME de fluide export bus. Mmh. Donc on vide les tanks via le ME qu'on réinjecte dans les bassins. D'accord, ok. Et là ils arrivent où là les lingots et tout ça? Ils sont produits où? On produit dans les bassins, on produit que des blocs. D'accord. Après via les liquid crafters, on transforme les blocs en lingots si nécessaire. Mmh. Et via les unifieurs, on retransforme tout ce qui est steel dot et tinker's construct et bronze ingot et les blocs aussi en bloc Gretec ou IC2. D'accord. Voilà. Et toute la partie avec les câbles marrons avec le point rouge au milieu, mmh. C'est le système d'automatisation Redstone qui sait quand les stocks sont trop bas, sont trop hauts, qui sait quand il peut démarrer ou pas. D'accord. Alors là, je montre un petit peu là, les différentes couleurs que t'as fait et pour dire à quoi ça sert. Voilà, on va... Critique, ME Central Coal, Reset, ok, ça c'est pour le reset. Voilà, c'est pour le reset de production si toutefois il y a un problème. Mm-hmm. D'accord. Et là-haut, ça aussi, on a des boutons de marche forcée si on veut forcer la marche, faire une production beaucoup plus grosse. Ok. Et là, je vois qu'il y a un ME là. Voilà, ça c'est le ME qui perd toute la forge. Ok, et c'est normal qu'il ait éteint ? Il est éteint là. Ouais, c'est pour ça. Il ne pourrait pas être éteint. C'est pour ça que j'allais dire, c'est normal qu'il ait éteint. Non, c'est pas normal. Alors là, on a aussi un autre ME. Voilà, ça c'est le ME principal. Ok, on a le ME principal, donc celui-là vous l'avez vu dans la base, les amis. Voilà, oui. Là c'est tout. C'est simplement tous les liquides et les blocs qui servent à la forge qui sont remis dessus, qu'on puisse scanner au niveau de la forge, qu'on puisse voir les niveaux des stocks aussi, surveiller ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit ce qu'on a besoin de savoir ici, en particulier. Voilà. Là, faudra que je voie avec Léa, parce que à mon avis, il y a quand elle a refait l'énergie. T'as dû oublier de réalimenter cette partie-là. D'accord, ok. Donc vous avez vu, voilà. Si vous avez des questions sur ces salles, si vous comprenez, vous avez envie de connaître un petit peu ce mode, et là, toujours pareil, laissez des commentaires. Thunder vous expliquera un petit peu ou il vous essayera de vous expliquer, entre autres, ce qu'il a pu faire ici. Si vous avez des questions, posez-lui, il répondra dans les commentaires. Après, lui dites pas, hey, Thunder, tu vas pas passer sur mon serveur, j'ai un truc à faire. Non, il n'a pas le temps pour ça, les amis. Ils veulent bien vous aider, mais après, vous êtes des grands garçons, je pense que vous saurez faire marcher le mode comme il se doit. Il y a des tutos pour ça. Voilà, ben, il voilà. Y a quelques tutos pour ça. Je pourrais vous conseiller les tutos qui m'ont appris. Ok. Oui, mais c'est des EU que j'utilise. Bah. Ouais. C'est pas des MJ. Ok. Donc on va faire la suite. Hop. Donc tout ça c'est en microbloc aussi, les amis, je crois. Hein. Oui, c'est du. Il y a du microbloc, il y a du bloc normal et la brique est en microbloc. Ouais, ici je crois que c'est du microbloc aussi, ouais. Oui, mais Léa, je n'utilise pas que. On verra, vous verrez après. Donc là, on va continuer. Vous êtes où? J'arrive. On traverse la salle. Donc je repasse les rideaux.
Donc sur la gauche, je vais vous quand même vous montrer, hein, c'est une petite avancée pour voir un petit peu. Un début de salle avec un début d'avancée où l'avancée n'est pas encore finie. C'est ça. On n'a pas encore fini. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc ici, hop, c'est une salle pour notre futur, les futures personnes qui nous rejoindra dans l'équipe. Il y aura une grande salle pour s'amuser à faire son projet. Voilà, c'est une salle qui a déjà été creusée où il n'y a plus qu'à aménager l'intérieur. Voilà, il y a déjà tout de près. Et puis voilà, hop, on va ressortir de cet endroit qui était fort sympathique. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, hein, c'est pour ça. Hop, on va voler un petit coup. On va passer à ce que vous voyez là, devant moi, qui apparaît. Si ça veut bien apparaître. Hop, un petit bug de chunk, voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est là, Neiko? Neiko, oui, il est là. Allez, explique-moi, qu'est-ce que c'est, ça? Ce gros machin, là, qui tourne avec des pales de ouf, là. C'est une éolienne qui a été faite par Léa, qui s'amusait à crafter toutes les palmes et tout. Elle a fait la décoration. Ouais. Et ce qui nous permet de nous fournir de l'énergie dans toute la base, parce que ça fournit beaucoup. Le nombre exact, je ne sais plus. 2048 EU parties par éolienne. Donc on en a 4. Donc ça fait 8000 et quelques. Voilà, et puis belle éolienne qui marche tout le temps, pas besoin de mauvais temps, pluie, soleil. Est-ce que ça a besoin d'énergie pour tourner? Non, parce que ça en produit. Non, c'est avec le vent. Ok. Donc voilà, ouais. Donc. Alors Léa dit en source d'alimentation, on a 4 éoliennes de 2048, soit 8192 EU. Voilà, merci Léa. On tourne spécialement avec ça comme énergie. C'est écolo, ça cause pas de lag, les amis, donc c'est super super rentable. Et il y a aussi un endroit où il y a des panneaux solaires, Béka, que Léa nous dit. Oui, me l'avait montré, oui. Après, il y a des panneaux solaires aussi. 2 fois 32 panneaux solaires de 512, soit 8192, pareil, pour ça, quoi. Donc, on a quand même pas mal de... Les panneaux solaires... sont dans le monde illuminé, ouais. Ils sont dans l'autre monde, là-haut, qu'on voit là, ici. Ouais. On voit de là, où je pointe mon curseur, on voit un truc au-dessus, mais on ira plus tard. Donc ça, c'est une éolienne qui marche très très bien, qui est très rentable, qui pollue pas, qui lag pas, et qui produit de l'énergie assez conséquent. Donc si vous avez votre partie, ça prend beaucoup beaucoup de temps à fabriquer. Léa a passé beaucoup beaucoup d'heures à préparer, je crois qu'il faut 7000 ou 8000 lingots de steel rien que pour une éolienne, ou voire plus, peut-être sans compter le reste qu'il faut de matériaux, donc il faut beaucoup de ressources. 8000 plaques de steel, il faut pas mal de tin aussi. Voilà, donc il faut pas mal de ressources. Donc, et la partie de l'hélice qui tourne, elle est faite avec de l'iridium. Donc ça demande aussi de l'iridium. Ouais. Donc, hop, on va descendre. Là, on a visité ce complexe. Il nous reste 6 minutes, les amis, ensemble. Donc, on va se dépêcher. Sinon, on va faire 50 000 épisodes. Mais on a tellement de choses à vous montrer aussi. Hop. Donc, là, au passage, un petit chemin, vite fait. Alors, ça lag un petit peu. Sinon, moi, je suis en train de charger. Donc là, c'est une petite auberge que j'ai fait. Alors, je sais pas ce qu'on fera dedans. Tout en micro-bloc, les amis. Vous voyez, c'est que des pentes. Avec des... c'est que des pentes, des tournants, des... Voilà. Je me suis amusé à faire ça. C'est juste pour m'amuser avec le mod. Hop, là aussi. Hop, la petite pente. Là, on n'a pas fini, vous voyez. Les carpenters, c'est ça, les amis. Et après, bon, là, j'ai pas de bloc pour faire la démonstration. Thunder, t'as un bloc? N'importe lequel? Le seul bloc que j'ai sur moi, c'est un bloc de cobble. Ben voilà. Il va faire un clic, hop, et vous voyez, ça a remplacé la matière comme ça par un bloc de cobble.
Et c'est super pratique parce que si on veut l'enlever, ben c'est simple, on le casse, on récupère le carpenter. Je crois que tu as un aimant là, Thunder. C'est possible. Ok, donc hop, donc voilà, une petite maison assez sympathique que j'ai pas le temps de finir, bien évidemment. Alors là, on va passer à un truc. Dommage que Léa n'est pas là, elle nous aurait expliqué. On peut convertir, alors, en sortie d'un IDSU, donc on peut convertir 8 en RF avec une perte de 20%. Alors tout ça, les amis, si vous avez des questions, je vous laisse lire ce que Léa a écrit. Si vous avez des questions sur les RF, les nouvelles énergies, ou sur la conversion d'énergie, sur tout ça, Léa est là pour vous aider. Alors bien sûr, elle répondra aux messages, c'est comme d'habitude. Si elle peut vous aider sur certains trucs à comprendre un petit peu mieux tout ce qui est énergétique et tout ça, ben, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser toutes les questions dans les commentaires de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc ça là-haut, on ira voir plus tard. C'est Léa, j'espère qu'elle sera là pour... Là, elle est entre deux feux, donc elle peut pas trop parler, voilà. Donc on va aller voir, il est où Neko? Au château. Ok, tu peux descendre en bas. D'accord, j'arrive. À l'entrée du couloir. À l'entrée. Donc là, ça n'a pas changé les amis, c'est toujours... Cet endroit a pas changé, je crois qu'on vous l'avait montré, je sais pas, mais si on vous l'a pas montré, on va vous le montrer. Hop là, donc déjà on arrive... Cette décoration a été changée. Voilà, donc là on a vers la direction des cultures là-bas, on vous montrera Voilà. plus tard. Pour Et le moment, sont encore en travaux. c'est encore en travaux, voilà, c'est ça. Et là déjà, bon, il y a des textures qui sont pas faites chez moi encore, c'est mon texture pack, il faut que je le finisse. Mais c'est pas encore fini. Je voulais faire de l'éclairage qui s'allume la nuit et qui s'éteint le jour. D'accord, ah, ça peut être pas mal. Donc là on a une petite déco. Qui est pas encore fini là aussi, toujours pareil. Hop, avec ben là toujours, hop, une petite vue assez sympa. Ici une grande pièce assez riche hein, quand même, avec Oui. beaucoup de blanc, de rouge, de bleu chez moi avec mes texture pack. Ils ont toujours pas fini, c'est en cours de construction les amis. Alors, je sais pas du tout ce que ça va être, mais ça se fait petit à petit. On verra bien. Le résultat final, les amis. Tu sais pas ce qu'il va avoir là, Nico, ici. Oh, tu sais pas, ok. Donc là, on continue, on arrive au château, les amis. Bon, le château qui est en train de se faire dépouiller pour être refait. Vous Je voyez que suis en le... train de refaire toute la façade. Voilà, donc il y a encore pas mal de boulot là. Il y avait beaucoup trop de son briques, donc voilà. Donc. Ok, donc là aussi, on a toujours les blocs magiques pour empêcher les mobs de rentrer. Donc ça c'est un énorme château les amis qui est pas encore fini hein. Loin 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 de là ils ont commencé c'était avec les matériaux du départ donc là maintenant ils s'attaquent au gros on va dire. Alors moi je connais pas trop le château pour vous dire. Ici, ça va être les dortoirs, ça va être là où on repose nos stocks et tout, on a nos chambres, puis nos appartements, quoi. D'accord. Pour l'instant, on n'a fait que le premier et le deuxième étage. Ouais, mais j'essaie de trouver la texture pour les murs. Je suis en train de refaire, j'essaie de refaire tous les murs, ça fasse moins de briques. Et puis voilà. Ouais, parce qu'elle a beaucoup de stone brick, beaucoup de stone brick, tu la stone brick. Voilà, donc je suis en train de chercher à me renseigner droite à gauche comment faire les meilleures textures pour les murs. D'accord, ok. Et puis de côté, j'ai fait un petit décor aussi. Ouais, on le voit. Attends, j'arrive. Hop, on monte ici. Donc là, ouais, petit décor, petit pont. Hop, qu'on passe. Hop, on va Voilà, on s'asseoir. s'assoit et on prend les Ah. cookies. Voilà, un bon cookie Tu avec. veux un cookie? Cookie! C'est quoi le mot de passe? Allez hop, tarflu. Si vous aurez reconnu ça, et oui, les amis, et je veux un cookie moi aussi là. Ah, quand même. Est-ce que je peux le manger là? Non, je peux pas le manger. Ah, je vois que ma barre de mana est disparue en haut.
Hop, bon, on va sortir. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Voilà, on va s'arrêter là. On va vous dire au prochain épisode. Et nous, on va se bouffer le coquille. Bon, là, ça va, j'ai pas les. Pourquoi j'ai pas le truc de poulet, moi, ici? Ah, parce que tu es assis. Ah, d'accord. Ah, ouais, j'avais jamais capté. Ok. Ok. Donc, nous, on va se dire au prochain épisode, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo, encore une fois. Découverte de la base et de tout ça, bon, on va en faire en 3 épisodes. Je suis vraiment désolé, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Mais c'est comme ça, les amis. Donc, j'espère en tout cas que voilà cette visite des éoliennes, de la Forge Tinker Construct et du château magique vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, des pouces verts des familles comme d'habitude pour nous montrer que vous aimez la série, que vous voulez qu'on la continue. Les critiques, si vous avez envie de critiquer sur ce qu'on fait, ou toutes les questions que vous avez besoin de nous poser, n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez nous suivre aussi sur le Facebook officiel de Sphervie qui sont dans la descriptive de cette vidéo. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Dès qu'on met un petit post sur Facebook, hop, vous le savez. Aussi, vous pouvez vous abonner à mon Twitter. Généralement, vous savez à l'avance ce qui va sortir au niveau des vidéos. Voilà. Donc, en tout cas, ben, nous, on se dit à très très bientôt, les amis. Bientôt. À très bientôt tout le monde. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.